Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore très heureux une fois de plus d'être devant vous à vous présenter ce nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo et sur la partie Est, dans les deux régions où l'état de siège a été déclaré. Donc, il y a au Parlement, encore une fois de plus, je crois que c'est lundi aujourd'hui, où on va encore prolonger pour la septième fois cet état de siège. Donc, comme il n'y a pas de cas, bon, et comme il y a un peu de temps, et puis ça passe comme ça, et la situation côté Kuna, ezokende. Donc, nous allons parler de cet état de siège-là aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments que je vais vous donner, mais seulement je me réserve parce que j'ai des éléments, ce n'est pas que rien ne se passe. Je vais vous dire par exemple, cette semaine, semaine Outik aussi, là, il y a eu à peu près 17 morts. Naputu à lobby, donc de dimanche à lundi, à Beni, il y a eu encore les ADF qui se sont. Qui sont ADF Zali. Nabarout, il y a eu 15 véhicules brûlés semaine passée. Donc, la situation est catastrophique. Kolobana, ici, on a côté Kounagno, surtout, Bamoreza et Belé. Il y a même des statistiques que j'ai avec moi ici, que Tozos est là au moment opportun pour te coordonner, Babilo Kwango, te couper ça. Mais sinon, déjà, na partie Moko Kaka, il y a Ituri. Oh, Tozolo Baka, il y a Nord Kivu, il y a Nanya. Le territoire à Beni, na Nord Kivu. Yango moko kaka, Ituri yango moko. On combine ba assassinat, ba brûlage à Mituka. Nous sommes déjà à plus de 650 morts depuis le mois de janvier. Totien a noté. Pour vous dire que les statistiques sont là, tous c'est le moment opportun de retirer la bino ba statistique. On a trouvé sa bino nyonso. Bobangate et Zali. Pour les gens qui sont en train de nous dire que non, biso topé sarababilo ko oyo eza vérifiable, c'est pour cela que nous nous invitons à vous dire précipitamment les choses sans que nous vérifions. Mais sachez qu'il y a eza na ba organisme moko otozo salana ango otoza ko comptabiliser ba mort nyoso oyo na ba kombo abatu wana nyoso o ba kufi na kati ya ba massacre oyo depuis Ebanda. Nous sommes déjà plus de 6 millions de morts déjà. Batuna bakombo na bango ezali. Donc nous allons parler de cet état de siège et puis après t'occuper ça peut ba solution. On va parler des faits et puis nous parlerons de ce que nous pensons qui devra être fait pour que la situation oyo et s'améliorer dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous reviendrons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Félix Tshisekedi à Berlin pourra participer à la conférence Compact. Et puis, PPRD, RDC, un proche de Ramazan Ishadari démissionne du PPRD. On va sur actualité.cd, Kabound aux obsèques de Kyungu. Aussi longtemps que l'UNAFEC survivra, l'œuvre du Gabriel Kyungu ne disparaîtra pas. RCD Ituri, de nouvelle attaque à une trentaine de kilomètres de Bunia, deux blessés par balle et des déplacements de population signalés. Des agents de l'État auteurs d'au moins 27 exécutions sommaires en un mois. On va sur Congo profond. Kasongo Mouema sur l'état de siège. Les ADF fuient l'offensive des FARDC et s'en prennent aux civils sur leur chemin de fuite. Congo central, le gouverneur Atou Matoubouana a accusé des détournements plus de 5 millions de dollars. 7 sur 7. Fin des phénomènes sous-traitance abusive. L'agent placé dans une entreprise doit immédiatement signaler un contrat. Et puis, à circulation routière à Kinshasa, 11 roulages pris en flagrant délit et mis à la disposition de la police. On termine par Radio Okapi. Kinshasa, arrestation d'environ 100 présumés fabricants de la drogue Bombay.
Et puis, Boutembo, reprise de travail par certains infirmiers avant la levée de grève. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, donc, actualité a prédominé par la session d'examen d'État. C'est ce que moi, je me dis, session d'examen d'État, vraiment, n'est pas actualité. On a causé que les gens qui ont été autres qui ont contact pro live. C'est ça l'actualité. Donc, Bamakamboa Seni, Bamakamboa Batouba Kangamaki, tout ça. Ngai, Babilo Kwana, Ezalaka, considéré comme un commérage, Batbaza, qu'on racontait l'histoire. Ce qui est très important, c'est que Batou, il faut que ça aboye, Bango. Et c'est Nani, session d'examen d'État, Ezako Salema, Ezalaki lancé, le ministre de l'Éducation, Aza Sikoyo na Kenge. Là où il a lancé banani ba épreuve wana ezana ba territoire mususu bandeko eza pas si peu mawa ba tozo sala ba 150 km pour ba kende ko sala ba examen d'état ezana ba photo na ko laksabino ezo pesa pas si na mawa. C'est pour cela que biso a tozo lo ba keno mboka na biso oyo il faut absolument to bandela yango. Il faut que total comment réorganiser les choses. Les choses ne pourront jamais être réorganisées à partir de Kinshasa. Ce qui est organisé à partir de Kinshasa, côté il y a un territoire et côté la pauvreté. Pendant ce temps, dans ce territoire-là, où les gens, où les civils ou bien tout le monde bon côté, il y a kilomètres pour que nous avons examen d'état. Il y a des entreprises minières qui exploitent na ba or, ba biloko belé belé, ba bois, ba nini na ba territoire wana. Ba richesse ça a corrigé ba territoire wana. Et ça qu'on bénéficie finalement à nani. C'est ça que nous sommes en train de nous dire qu'il faut tout réfléchir, Makamboyo. Comment tu veux qu'on bise Mboka Oyo, tout le monde tout kende, tout reconstruire en go dans l'ensemble et non pas commencer à faire des projets au projet Fulani ou projet non. Ça ce n'était qu'une parenthèse. Rentrons à nos moutons. Bandeko. La situation sur le terrain, ils ont se passé n'engeni. Jusque-là, comme d'habitude, le FARDC n'a jamais identifié l'ennemi qui est en train de tuer à l'est de la République démocratique du Congo. L'appui de la population, l'appui du gouvernement, c'est concret. On dit que nos FARDC n'a pas aussi dit ça. Bilokwana, Mizozo, Nyoswa, Nezakosa, Le Makuna. FARDC, Topesa, qui charge, la FARDC, Asili, Sayango. Le gouvernement, de l'autre part, ont supporté donc Bamoyez et Bimaki. Attends, lobby, les noms que non Bamoyez, qui mouke ou quoi que ce soit. Parce que, na ba langage, nous sommes sur la FARDC, et comme il y a le bac, non, baza na ba moyen. Même si ces moyens-là sont arrivés en retard, faut que ça nani. Faut que l'organisation même du pays est à Kanabulu Yeki. Pourquoi? Parce que les mêmes ennemis qui combattent ce même état de siège sont même au sein du FARDC. Au commun, arrogance à Batouana Ndenge Bazanango, tu te dis que mais finalement, il y a besoin de faire peur ou bien besoin de menacer Batou. Bon. Faute nous sous wapi, faute à côté du gouvernement. Vous faites confiance aux gens qui tuent. Toza ko coopérer biso na biso te. C'est pour cela. Biso na biso, les politiciens, hein, population, na armée na biso, na ba banani ba comme na communauté internationale, nous sommes pratiquement en discorde. Toza ko yo kanate, biso ba entité nyo so baba. Ba maboko nyonso oyo efalaisi za eza l'ensemble po tosilisa ba problème oyo eza na ya état de siège wana toza koyokana te. Okoyoka ba politicien baye balobi no avancé ezali. Okoyoka ke basoda balobi te toza to conquérir déjà ba bastion ya ba ADF tosa. Mikolo nyonso koyoka village wana moko ba conquérir yango pendant 3-4 fois. Pendant d'autre part, la population dit que non, bino ne mutuosa koboma biso, biso to coopérer na binote. Mutu il faut gérer biso, yazo ba ngazo lo ba que non, ah,
Les soldats ba loba ki boye, ce sont les résultats des soldats. Donc, par rapport à ba soldats neto kondima. Entre temps, ce sont ces soldats-là qui sont impliqués na kati ya babiloko oyo. Donc, démagogie, embrouillement, moko eza kuna, on ne sait pas comprendre. Les députés au Parlement ne peuvent pas contredire makambo à état de siège, sinon ba kozala contre Mokonzi. On va dire qu'ils sont contre le président de la République. Bon, comme si quand on a un régime, union sacrée, nous devons supporter les axes du président de la République. Action à président de la République, il faut supporter. Même si c'est faux, nous allons dire oui. C'est comme ça que vous allez voir même. Le gouvernement, premier ministre, il ne peut pas contredire, il ne peut pas dire non. Il ne s'accuse pas entre eux. Ils ne peuvent pas se manger parce qu'ils sont ensemble. Ce qui va tout à kufa, kuna bangonyo surtout bayebi ke tout à kufa. Moutou te a prêt à kolobate ke non bino kuna bozo salamabe. Bino mouna bozo salabo. Entre temps, le même phare de ce, il faut pas se auto-auditer. Pourtant, ce sont ces gens-là qui sont cités dans les massacres. Et dans les. Même Bali, qu'il y a un soldat, Bayebi, que Oyo est un groupe à tel général. Awa Koto est tel général. Toyebi Yango. Mais le bah, gouvernement a payé, mais ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit. Le tshisekediste qui est au Parlement, il a quand même eu le courage à Koloba que non. Bino ma député n'a pas un groupe armé. Pourquoi? Parce qu'il est pour le président de la République. Il ne peut pas dire que non, écoutez ceci. Bangonyo surtout, nous sommes dans une situation où il n'y a personne qui a le pouvoir de dire la vérité. Et attends, lobby à moi, ceux qui ont à côté de mon conduite, ont un problème. Ceux qui ont lobby que non, état de siège, tu auras pratiquement de problème. Bon, tu as la cabine de la commission, il y a sécurité dans le parlement. Ils étaient là. Ils ont des dossiers même comme ça. Mais ma déclaration est en que non, vous savez, il y a ceci, on va voir. On va voir et comme il continue à la future. Le premier ministre a dit à Kinshasa, il y a quelque chose là, il y a quelque chose à contrôler. Avancement, il y a un état de siège qu'on contrôle. Et puis il rentre à Kinshasa et là comment copé et ça limité. Nous pensions peut-être que tant qu'on kende kuna kolobate et tant de siège au toi arrêté nan parce que ils ont pensé là comment côté. Mais au koyoka baza ko adopter ba langage ya ba militaire au bazolo ba que non. Bon pensa bisota. Nous allons arriver jusqu'à 2023 dans état de siège. Regardez maintenant ce qui se passe au Parlement, on programme un plénière parce que il faut plénière baba prolongé encore de 15 jours. Comme un angle automatique, comme un état de siège, ok, qui sont pour, ok, voter, et les qui n'ango, et le comoko ezo salemate. Mais qui perd na babiloko oyo? Nous continuons tous les jours à enregistrer les morts. Tous les jours, mbongo za kobima, po na basoda wana bazakuna. Ba opération wana ezo produire nango pelisusu et le comoko te. Pendant ce temps, il y a des conflits coutumiers, il y a beaucoup de problèmes. Oyo, et ça, les kanakuna que état de siège a aucun résoudre le souzouté. Et comme il bat tout, voilà, si on est comme il cause, ah ok, nous sommes là, bisonne si on est à côté. Oyo, on n'a jamais démantelé à tel ou comme côté à ADF, ni bateau basako kobo manana ni na côté et tout le kuna, rien. Tout est resté statique. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform.
Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Parce que ce sont eux qui sont commandités. Tant que vous avez commandé que non, et l'ingiba, tu as l'ingiba, ça là, oh non, et si là, ils vont encore redémarrer le processus à Kobomabatu. Mikolo, tu as l'ingiba, que non, tu as koufi mingite comparativement à Bato Bakoufaki le mois passé. Et parce qu'on n'a pas trouvé l'ennemi. L'ennemi est toujours au-dessus de nous. L'ennemi a qu'on frappe anytime. Donc, tant que nous sommes à l'ingi, a qu'on frappe naé. Bandeko, tout si ton vivre ndenge nini na mboka na biso. Na kati ya mboka na biso, foto sala ka ba konvoi ya ba mili, ya ba kamion. Et puis ba konvoi non koyoka keno ba soda ba zo senga, bo pesa biso boy, bo pesa biso boy. Ça ne s'explique pas. Ba toi na baza na zamba, bino boza na possibilité o kende ko beta bango na zamba te. L'armée est en train d'installer cette peur là na kati ya population. Pour dire que non, nous sommes en contrôle de tout. Ils peuvent frapper quand ils veulent. Pour attiser tout simplement Motona, que non. Les civils, oh, bazana gouvernement, oh, na présidence, bazana kobeta met, bazana pouvoir te akoloba, que non, et loko et photo silisango. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est ça le problème. Problème yango wana bandeko. Donc, nous sommes arrivés à un moment où on se pose la question en se disant. Finalement, est-ce que le président de la République comprend que tant qu'il y a état de siège au Fouessil, nous allons passer à quelle solution? Solution Moussousou Ezate. Pour lui, il n'y a plus de solution. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit imposer la solution. Or, Bandeko, qu'est-ce que nous avions dit? Quelle est la solution que le peuple à la base avait proposée? Je vais encore vous demander vraiment cette excusez-moi, na répétaka eloko oyo. Parce qu'il y a quand même des gens qui nous ont suivis et qui nous encouragent en nous disant c'est ça la solution. Solution oyo, ce n'est pas moi. C'était dans les premières lettres. Na ba grève o tango ba papi makali banda ba bandai kotia yango ba lobi. Solution na biso koto yo po ba massacre aussi les animi. Un. Il faut absolument que Monisco ait kende. Deuxième point, Ezalaki, cantonnement y a ba faire dessin. Création d'une police de proximité. Oyo chaque village, ba kozala, koye ba nani yango azana, pendant le cantonnement de l'armée, je dis ceci. Tozo loba, départ à Monisco, tozo loba, cantonnement y a ba militaire. Troisième point, c'est là qui fermeture à la frontière Nabiso. On devrait absolument la frontière Wana et Kangama. Quatrième point, c'est le déplacement entre les villes. Babiloko, Batouaouta, Kagoma, Batoua, Kenda, Kabeni, Boutembo, qu'on arrête tout ça pendant un certain temps, pendant 15 jours. Et pendant ce temps-là, cinquième point, c'est là qui est l'identification de la population. Na katia ba territoire que dans toutes les territoires oyo ya oyo oyo na katia deux provinces wana ba territoire commence déjà l'identification na recensement ya population. Pourquoi ça wana des mesures d'accompagnement ya commettre ba tout nous surtout d'accord
ya koloba biso awa tolingi lisusu makambo ya guerre te tolingi to desele bonguna aza wapi accompagnement wana ko sale matangu na ba territoire na ba trois ans ko s'identifier baza ko pesa ma ba carte ne fiscale ta temporaire identification et ko permettre armée oyo ko ya ko zala et ko ya siko ko sala mosako comme on dit ko luka siko yo ba ennemi eza la armée asika eyeba nani nde aza nani muto ba kokuta na kitambulisho te à ce moment-là il sera pris comme un ennemi. Mais ezo sale mabongo te. Ça c'est la solution que nous avions préconisé à Kolobato tia en place pour que état de siège oyo esimba. Et pendant ce temps-là, tant que za ko implémenter babiloko oyo. L'armée ezali identifier aussi na ba camp ba tour ba ko vanda ba ko zala na mboka ba ko zala na ba tenir te. À ce moment-là, tant que l'état de lieu on a un bateau ils ont vendu administrateur de territoire à Sangisi bateau nous surtout bas notable il y a bateau chaque territoire bas notable bas fanny ensemble bas lobby bon ok on va passer on va faire comment donc on désigne banani dans tel village banani en gros bas coquengue là bas oh banani pendant ce temps-là on voit comment on crée les administrations à Sika administration à Sika n'engagne ni bateau bas kozala kosangana ndenge nini nani akosala nini banani bavandaka awa recensement na identification za ko continuer wana ko pesa biso sikoyo administration ya sika ba administrateur oto ko désigner que non batu oyo vraiment nde bazaboye nde bazaboye e ko pesa administration moi pouvoir donc ya ko récupérer autorité à l'état à ce moment-là tant armée ko ya bako kuta déjà que non administration ezali justice pe koza koza ezali ko banda ko fonctionner ba tunyo surtout ba ko banda ko s'organiser pour que toye ba nani azo sala nini nani azo sala nini awa nani aza nani parce que ce qui se passe aujourd'hui il est difficile ya ko déceler que monguna aza wapi et comme une titoza na Afghanistan monguna aza parmi biso mais ba tout dénonciation et kozala wapi et kozala na kati ya ba état de lieu wana to koyeba to lobi que non so ki ezana commissaire du peuple moko oyo ou bien ba député o ba impliqué na kati ya ba massacre wana c'est dans ces conférences là que ça sera dénoncé ba tout ba koloba pona nini to simba mandoki pona nini biloko oyo to aturumiane basi tuache mizuozo yote niko natufanyika hapa iko nakosesha watu amani. C'est ça justement que nous avions préconisé comme solution pour terminer cette histoire ici de massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous que je vous ai dit que le problème de l'est ce n'est pas tout simplement un cas particulier, il faut le prendre sur toute l'étendue de la République. Parce que babiloko ezako le kanana est, c'est la même chose qui se passe au bas Congo. Ezaka ka réclamation à pouvoir qui doivent être remis au peuple à la base. Pour que le peuple à la base puisse contrôler administration na base na biso sala, batunyo so ba banda ko se retrouver dans le projet et que na kati ba territoire na biso ba projet de développement ezako za la développer et puis tenu par les enfants même. Il y a tout. Et qu'on crée misala, et qu'on crée oisivité, et qu'on crée ma frustration, voilà, batou bazan ango, parce que pauvreté, le kimingi, na côté nabiso, na côté ba région, tout ça. On peut dire que non, que na côté nord, nord kivu batou bazan, na barish kuna, non, c'est pas vrai. Il n'y a qu'une certaine partie de gens qui ont beaucoup d'argent, na ba pauvre bazan et belé. Voilà, on va s'arrêter ici. Je vous promets encore dans notre émission Togoloba, je crois qu'on va commencer maintenant à passer les témoignages crus de ceux qui, militaires au Bazakoloba, Bazako dénoncé, au Bazako dénoncé bateau et à l'état de siège. Ne manquez pas, je crois qu'on va commencer ça mercredi. Mais demain, nous parlerons sur l'organisation, encore une fois de plus, de notre pays. Merci pour tous ceux qui sont en train de s'abonner, c'est une façon de m'encourager vraiment. Voilà sa façon de nous encourager. Surtout quand on a un appel, nous passons par peut-être 2h30 minutes pour discuter sur ce que nous avions dit avec vous, les auditeurs qui
qui m'appelle et puis bozo orienté ngai et puis ça ngai na mona que non nazan na kamwa valeur na ba émission o toza ko pesa bino nous contribuons vraiment à ce que pays na biso ezonga na nzela ya bien. Donc continuez à partager les émissions, continuez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et merci encore beaucoup pour la considération que vous me faites pour me choisir pour cliquer dans ma émission ngai botala ni ngona zoloba. On se revoit demain dans un nouveau numéro, portez-vous bien, au revoir.